Alors, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Pokémon. Donc, toujours en route vers la forêt de Jade déjà. Ah, un petit somme, un bon café et hop, la pêche pour la journée. Mais j'ai dû faire trop fort, j'ai la migraine maintenant. Au fait, est-ce que tu remplis ton Pokédex? Pense à bien affaiblir les Pokémon avant de les attraper. Donc, on avait vu quelque chose au dernier épisode par là-bas. On va aller voir ce que c'est. Ça a l'air d'être un truc. C'est un gym en fait. Les portes de l'arène sont fermées. Ah, d'accord. On peut pas vraiment y aller pour l'instant. Vous verrez plus tard. Moi, je m'y connais un peu. J'ai déjà fait le jeu version rouge-feu. Astuce. Attrapez des Pokémon et agrandissez votre collection. Plus vous en capturez, plus les combats sont faciles. Route 2. Jadil à Argenta. Donc, direction Argenta. Combat Pokémon. On va les faire pour gagner de l'XP. Et du coup, on va sûrement attraper notre premier véritable Pokémon que je voulais capturer depuis le début. Vous verrez. Vive attaque. Ouh, il fait mal. Il est vraiment pas fort en fait, mon cool. Je sais pas si je vais Et garder. donc, re, donc le téléphone n'est pas fini, mais j'avais Facilite. la flemme d'attente. Mais je n'ai pas chômé, comme on pourrait dire. Pendant le téléphone, parce que j'ai level up mes Pokémon, j'avais un petit peu rien à faire en attendant. Donc, Carapace est passé level 11 et a pris une nouvelle attaque qui s'appelle Aurore, donc c'est pas grand chose. C'est un truc qui augmente la défense en fait. Et Rockcool aussi a pris une nouvelle attaque, il est passé level 6. C'est Jet de Sable qui diminue la précision, donc, pas grand chose d'intéressant. On les enlèvera dès qu'on apprendra une attaque intéressante. Donc, on va aller capturer notre. Il faut que je démarre le chrono. Au moins un petit peu en retard. Je mettrai genre 2 minutes de plus. Oh, j'ai un petit peu lagué. Donc, on va faire la forêt de Shad. On va aller directement à l'endroit qui m'intéresse. Ici. Si je pourrais tomber directement dessus, non. C'est un Pokémon que tout le monde connaît. Au pire, je ferai encore une ellipse, le temps de le trouver. Ce n'est pas très grave. Et j'ai pas parlé au monsieur au début, mais c'est pas grave. Il n'était pas très intéressant. J'aurais dû acheter des petites potions, ça aurait pu être utile. Parce qu'en fait, dès que j'ai une attaque vol, ici, je deviens cheaté parce que le type vol est efficace contre les insectes. Parce que un oiseau, ça bouffe les insectes, c'est un peu logique. Level 7. Elle aussi, elle prend l'objet qui est là. J'ai trouvé une Pokéball. Ah, lui, il veut pas me faire un petit duel? Regardez, on peut pas. Elle est en combat. C'est pour ça. Voilà. Chenipan. Bon, on a quelque chose d'autre que juste charge. Ça paraît mieux, même si ça sert pas à grand chose en fait, cette attaque-là. Sinon oui, j'espère que vous avez passé une joyeuse Noël et une... Je sais pas trop quoi dire en fait en attendant. J'essaie de petit peu le couvrir. Joyeux Noël et... Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, un bon nouvel an. Donc moi j'ai eu pas mal... Surtout d'argent en fait. J'espère que vous avez eu beaucoup d'argent vous aussi. C'est ça qui est important. Non mais c'est plutôt sympathique comme période. J'étais parti en vacances et tout. Mais on s'en fout un peu de ma vie. Donc toi. Il spamme tout le temps la même attaque alors que ça sert à rien. Il y a mon chien qui veut me licher le pied. Ne me liche pas le pied, chien. C'est méchant. Elle veut me faire. Elle veut me faire. Je sais pas trop. Bon, c'est long là. Je cherche un Pokémon et il n'apparaît pas. Je sais qu'il est là parce que j'ai fait un test avec l'autre compte. Non, petit chien, tu ne montes pas sur moi. Donc on pourra level up, level 8. J'espère qu'il va apprendre une attaque. Je pense que c'est level 9 qui apprend une attaque. Je suis vraiment pas sûr. Je pense que level 9 apprend une attaque vol. Oui, d'ailleurs, dans l'herbe où est-ce que je m'étais fait battre, où est-ce que je me suis arrêté en fait.
Il y avait un autre cool, level 6, et j'ai quasi... le mien était le level 3 à ce moment-là, quand je l'ai croisé. Et j'ai même pensé à capturer ce Rokul-là pour l'échanger avec le mien, parce que ça m'évitait de faire level up de 3 levels. Donc ça aurait pu... Bah, j'ai changé de vie. Hein. Mais ça aurait pu être une solution pour sauver 3 levels d'XP à attendre. Ah, ok, non. Je pense que c'est level 9, je suis pas sûr. On va au moins équilibrer les niveaux. Les deux Pokémon seront level 10. Je crois que le plus puissant Pokémon de l'arène est level 14. Donc ouais. Je pense que je vais faire un ellipse. Ouais, je vais faire un ellipse le temps de trouver le Pokémon. Et voilà, un Pikachu sauvage apparaît. J'adore ce Pokémon. Ah oui, et d'ailleurs, je viens de le level up niveau 9, mon Rokul. Donc il vient d'apprendre Tornade, une attaque de type vol. Donc il ne faut pas le tuer. Si je le tue, je me tue. Oh my god, je t'ai pas tué. GG, je viens de faire un tour au centre Pokémon parce que j'étais très faible niveau vie. Sac, on fait pas de bêtises. Hop. Je sais qu'il n'est pas. C'est pas le plus fort de tous les Pokémon. Ah, d'ailleurs, il apparaît déjà. Comme si je l'avais déjà capturé. Bon, bah, je l'ai capturé. Et hop, Pikachu est attrapé. Je sais que c'est pas le plus fort de Pokémon électrique, mais je l'adore. C'est mon Pokémon préféré. Et donc, Pokémon de type Electric, nature malpolie, bon, en tout cas. Rencontrer niveau 3, Forêt Jade. Bonheur, PV, les EV, ça c'est un truc un petit peu de fou. Éclair, oh, il n'y a pas de charge. Ok, c'est juste une attaque psychique électrique qui n'est pas très efficace, je crois, contre les insectes. On essaiera. Mais de toute façon, ce qu'on fait là, c'est on va le mettre en avant et on va le switcher avec Rokul. J'ai mon Pikachu. D'ailleurs, c'est lui qui va devenir mon compagnon. Donc, on a Éclair qui fait 40 de dommages et 100 de précision et 30 pp. C'est pas trop mal. Et maintenant, on va tester l'attaque tornade. Vous allez voir que c'est trop puissant. Il faut que je redémarre le chrono aussi. Voilà, c'est fait. Petit chrono sur le PC. Utilise. Ok, ouais. Darvelin est très rapide. Ça l'a attaqué. Ah, c'est tornade ça. Ça l'a même fait. Vous voyez, les animations de combat sont pas très très waouh. Mais c'est Pokémon. En même mot, donc on peut le pardonner. Ouais. Petit Pikachu. J'ai quasiment envie de le faire battre la main. Sûr qu'il va perdre. Pokémon. Rokul. Au pire, on va avancer là parce que. En fait, c'est pas ça trop le but là, du truc. Donc, on va avancer dans la forêt. Et à chaque fois qu'on verra un Pokémon, ben là, on fera level up parce que je ferai du level up hors caméra. Ce sera plus pratique. Et si je. Ah, voilà un Pikachu. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah, lui, il est level 5. Il me donne le goût de le capturer. Bon, je vais fuir. Hein. On va pas nous prendre 10 ans sur des combats. Je n'y pense. Bon, il est bientôt level up. Allez, un petit combat. On va le mettre level 4 au moins. Et je les mettrai tous à niveau pour le next épisode. Qui devra être l'arène normalement. Si on se rend. Ben, normalement, on va finir la forêt de Jade aujourd'hui. Et on devrait se rendre à Argenta du coup. Bien hâte. Oui, d'ailleurs, j'avais mis ça parce que je voulais savoir où est-ce qu'elle avait capturé son Pikachu. Pas elle. Il y avait une fille que je voyais là. Bon, je l'ai spammé, mais. Je voulais absolument savoir où elle avait eu. Je voulais absolument que c'était sûr que c'était là. Hop. Je suis venu avec des amis pour attraper des Pokémon insectes. Ils sont tous ici pour faire des combats de Pokémon. Donc, normalement, ici, on va rencontrer notre premier astuce. Nos premiers dresseurs. Pour éviter les combats, ne marchez pas dans les hautes herbes. Ok, ouais, les combats sauvages. Donc, oh, il y a une Pokéball ici. Pokéball, c'est des objets que vous pourrez récupérer sur le sol. Et qui va vous permettre de récupérer des objets. Donc, c'est pas trop mal. Vous trouvez une potion. J'ai envie de l'utiliser sur Pikachu. On va faire ça. On va faire ça.
En cas de danger. Je suis à court de Pokéball, je ne peux plus attraper de Pokémon, il faut toujours en avoir au max. Des petits conseils. Au début, ils mettent souvent les petits conseils. Ah, ça c'est un dresseur. Voilà. Hé, mais tu fais des Pokémon? Ya, à l'attaque! Voyez mon cri de Tarzan très efficace. Donc, premier combat de dresseur. Notre cool devrait faire un petit carnage. Et il est level 6. On voit que les Pokémon et dresseurs récupèrent beaucoup plus d'XP. Et du coup aussi sont, sont plus puissants. Oh, on a un Pikachu femelle. Ah non, c'est un Rookool. Je sais pas. Attendez. On le voit pas là. Non, c'est un mâle. On a un Pikachu mâle, un Rookool femelle. Et un Carapuce mâle. Oh, il avait mal. C'est lui qui a fait ça. Je sais pas. Donc on voit que ça donne pas mal d'XP, donc il va level up. Rookool souffle du poids. Ah, je suis empoisonné. Ah, à cause de Darvenin, ouais. Du coup, ce que je veux faire, c'est Pokémon. On va renvoyer Pikachu, mais pas longtemps, vraiment juste pour qu'il récupère l'XP. Oh, je pense qu'il va le tuer. Oh non. Oh my god. Rookool. Vite, 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 vite. Change, change, change. Va le tuer, hein. Ils vont le tuer. Non, faudrait que je retourne au centre Pokémon. Trop de montage à faire. Non, ça me dérange pas de faire du montage. C'est vrai que c'est chiant par contre faire des allers-retours. Il faudrait qu'ils me donnent une antidote. Normalement, ils en donnent une pas loin. Monte level 5 et après en rugissement. Vous avez battu le scout. Je n'ai pas, on n'est pas assez fort. Et vous voyez qu'on gagne de l'argent et que ça augmente ici. Donc, on va aller soigner nos Pokémon. Si je réussis, je vais peut-être faire ça en accéléré. Mais bon, je sais pas comment faire, donc on verra. Je check le chrono. Allez, descends, c'est bon. Ok, ça passe encore niveau temps. Je pense qu'on aura le temps de terminer. Du coup, on aura juste... Ah, lui, un Pikachu. Ah oui. Hop, c'est bon. On a changé notre partner. C'est lui qui va tout le temps rester là. Il y a des personnes qui nous bloquent, puis d'autres, on peut passer à travers. Genre, eux, on peut pas passer à travers, en fait. Mais les vrais personnages, genre comme ça, les personnages réels, on peut passer à travers. Sinon, ils nous bloqueraient partout, puis ils pourraient nous faire chier. Voudrez-vous que je m'occupe de vos Pokémon? Oui, désolé. Merci d'avoir attendu, super forme, etc. Je répète tout le temps la même affaire, de toute façon. Oh, il y a un petit truc. Est-ce qu'il veut faire un duel? Ça va être écrit de toute façon en bas si elle veut refuser. Ça va s'écrire ici là. Si vous voyez ma souris, ah voilà, a refusé votre demande de duel. Gnomito. Bon pseudo. Je vais les éviter. Toi, tu veux te battre? Ok, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça va faire un truc de Windows. Ok, il est en combat. On va pas le déranger, non. On va pas le... Ouais, petite chanson. Petite chanson de la... du chemin. De la route 4. Route 1. Je sais pas trop. En tout cas. Véronica est encore là. Pikachu. Ouais, vous voyez qu'on peut les changer maintenant. Assez facilement. Et s'il y avait une antidote, je rage. Non mais, ce serait triste. On va y faire lui. On va faire tous les dresseurs. Un vrai ne se débine jamais. Donc ça c'est des scouts, des petits garçons qui nous aident au début. Là. Un combat est lancé par Scout Alfred. Ils ont des noms de vieux. J'aime la petite musique. Ah lui aussi, il renvoie son Pokémon. Oh, s'il veut. Anyway, je vais le défoncer. RTC triste. Utilise Tornade. Au revoir. Oh, il a résisté. Non, non, c'est pas vrai. Charge. Voilà, maintenant au revoir. 39, level 10, parfait. Et toi aussi tu level up. Coconfort, ah lui c'est parfait. Lui on pourra même envoyer Pikachu et le laisser là-bas. Coconfort en fait il fait rien. Il peut rien faire. En fait quand c'est tout capturé en Coconfort, il n'y a aucune attaque. Tout ce qu'il sait faire, c'est armure. Et ça le protège, en fait. Ça augmente sa défense. Puis ça fait chier. Parce qu'à la fin, ça prend 10 coups pour le tuer. Donc, tonnerre. Ça lui enlève pas mal. Hein. Finalement, je vais peut-être le laisser devant.
maintenant pour le faire plus le level up plus facilement. Surtout, oh, il a retiré. D'accord. Aspico. Éclair. On les fait quand même mal. Puis en plus, on est plus rapide, donc on attaque deux fois de suite. Darvenet. Darv. Ah oh, ouais, lui aussi est rapide par contre. Non, il m'a empoisonné. Il me faut une antidote. Ça fait mal en poison quand même. Vous le voyez. Bon, il level up, level 6, mais c'est tout. Sauf du poison. Je pense que j'irai au. Faudrait que j'aille au centre Pokémon pendant les tours. Je sais pas si j'ai fait comme ça. Si ils perdent la vie pareil, je n'en ai aucune idée. On verra. On verra plutôt par là. Je pense pas. Hein. Je sais pas s'ils ont réussi à coder ça. Tornade, ça devrait le tuer. Voilà. Voilà. Moi ça me dérange pas, je vais faire une ellipse rapide le temps d'aller au centre Pokémon et me soigner. On sera surtout ça au début parce qu'on n'est pas très puissant. Donc à tout de suite. Donc on est soigné, donc juste avancer un petit peu, le dresseur qu'on a fait était là en bas. Voilà, l'antidote que j'attendais en fait. Donc on peut, je pense, prendre les deux côtés, que ça dérange pas. Non, je pense en fait c'est par là. Ouais, donc on a un dresseur qui est là. On va lui parler. Je suis peut-être petit, mais faut pas me sous-estimer. Parfait. T'es petit, c'est pas grave. On a tous été un jour. Le bon vieux temps. Un combat est lancé par chose truc Anthony. Pikachu. Lui au moins, il pourra pas m'empoisonner davantage de chenipon. Il a l'air de faire plus mal par. Oh, retire. Oh, un autre chenipon, d'accord. Il est plus puissant lui, je crois. Il est level 8. Ça va donner pas mal d'XP. Éclair. Allez, éclaire tout. Et paralysé. Ah oui, oui, oui. Statique de Pikachu. Je vous ai expliqué ça juste après. En montrant les talents spéciaux des Pokémon. J'avais oublié de le faire. Level 7. Je sais pas si je l'ai montré, mais en fait, il y a pris rugissement à Pikachu. Ouais, je pense que j'ai montré. Ça baisse la défense. Plutôt. Je vais lui donner une potion aussi, il aura bien combattu. Il faut que je redémarre le chrono. Il faudrait que je m'apprenne à maîtriser les dons du chrono. Hop. On va donner une petite potion. Donc, sac. Potion. Utiliser Pikachu. Et en fait, pourquoi ça a été paralysé? C'est parce que Pikachu a la capacité spéciale. C'est où? Ouais, talent statique paralyse lorsque un Pokémon utilise une attaque physique. Donc directement au Pokémon. Lui possède Torrent. Donc ça augmente les attaques de type O. Donc les attaques de type O sont plus puissantes et recoulent. Regard vif, ça empêche de perdre la précision. Précision, c'est vous avez une chance de sur quelque chose de rater votre attaque. Donc ça diminue le pourcentage. Donc on va avancer. Pas trop de Pokémon, c'est plutôt cool. Il y en a un là. On va se le faire. On va tous les faire. Hein. Tu sais que les Pokémon peuvent évoluer? Oui. Je sais ça. Je suis intelligent. Un cri satié. Donc ça, on peut se le faire facilement. Voilà. Il fait rien. Lui aussi, il fait juste armure. C'est la même chose que Coconfort. Non, pas antidote. Hop. Éclair. J'ai hâte qu'il apprenne autre chose que juste ça. Ah, retire. Je n'y pas. D'accord, d'accord. Je suis toujours plus rapide. Pikachu a une très bonne vitesse. Hein. C'est un de ses avantages. Vous voyez que c'est pas toujours non plus qu'il devient électrocuté. Là. C'est de temps en temps. Level 8. Crise acier, il renvoie son crise acier.
Je pense qu'on va le mettre level 10 et ensuite je redevelop lui parce que c'est lui qui va utiliser pour arène parce que l'arène c'est une arène de type proche et donc l'eau est très efficace. Mais tous les autres ne sont pas du tout efficaces en fait. Je les level up mais en fait ils seront pas trop utiles pour l'arène. Pikachu serait utilisé pour la deuxième arène. Je crois que c'est du level 20 la deuxième arène. L'arène haut. Un peu. Je pense que les Pokémon de champion d'arène ont aussi été modifiés du jeu original. Hein. Je suis pas très sûr, mais je pense. 108 XP, ça c'est pas mal. Level 9. Est-ce qu'il apprend quelque chose? Je tiens à préciser aussi que Pikachu n'évolue pas. Plutôt n'évolue que avec une pierre pierre foudre, une pierre évolutive. Donc tant que j'en ai pas, je peux pas faire évoluer Pikachu en Raichu. Et je ne le ferai pas avant longtemps parce que je vais attendre qu'il apprenne Fatal Foudre. La meilleure attaque de type électrique. Meilleure attaque de type électrique pour pouvoir le faire évoluer. Donc voilà. Tadam. Un combat est lancé par Scoot. Je pense que c'est le dernier. Il y en a qu'un, il est level 9. Comme mon Pikachu. Lance éclair. Je vais switcher avec Carapuce. Je vais voir combien il XP. Oh, il est à moitié. C'est pas trop mal. Bon, je pense que je sais pas, je vais laisser. Ouais, comme ça, au moins, il va pas mal prendre d'XP. Ouais. Il va prendre assez pas mal d'XP, finalement. Ouais. 99. Ouais. C'est très bien, ça. Shabuadon, t'es trop fort. Bien sûr. Vous voyez que ça augmente assez vite, l'argent. J'ai 500$. Alors que, genre, il y a deux épisodes, j'en avais 50, je crois. Bah, 100, je sais pas trop. 80, peut-être. Ici, dans ces herbes, je me rappelle dans le jeu, si ça n'a pas changé, il y a des nids de rang et des nids de rang femelles et des nids de rang mâles. Et c'est là que je vais level up mes Pokémon parce que c'est les seules herbes qu'il y a aux alentours. Et on se laissera l'exploration de la ville sûrement au prochain épisode. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir attendu. Pokémon en super forme, à bientôt. Donc comme d'habitude on va se laisser là puisqu'il y a plein de monde ici, ben on va se laisser comme ça. Hop hop voilà. Oh, attendez. Voilà. Donc on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode pour l'exploration de la ville d'Argenta. Du coup c'est écrit à droite Argenta chemin 1. Et il est 5h14 comme je l'ai dit, c'est pas l'heure de la vraie vie. Mais bon. Donc voilà, moi je suis plutôt content de ce qu'on a fait. On a fini la forêt de Jade. Donc on va se retrouver dans le prochain épisode, comme j'ai dit, pour l'exploration de la ville d'Argenta. À la prochaine, allez, salut tout le monde.